Question numéro 41. The pie chart below shows how Ben spent his money during a particular month. Sa pie chart là démontre comment Ben dépense l'argent pendant un mois particulier. Avant tout, nous tu connais tout ça là, une pie chart. Combien de langues il y a en tout? 360 degrés. Transport, 36 degrés. Rent, 144 degrés. Other expenses, nous pas connais. Clothing, X. Tandis que food, il y a un petit carré là. Ça, petit carré là, que ça veut dire ça? C'est 90 degrés. A. Given that Ben spent 8000 rupees on food, calculate the total amount of money he spent in that month. Il peut donner une information. Quelle information peut donner? Il peut donner que Ben fait une dépense 8000 rupees l'eau manger. Il peut dire nous calculer en tout combien l'argent qu'il fait dépenser ça mois là. Nous qui nous connaissons, 8000 rupees manger. Mais combien de degrés ça mange là? C'est 90 degrés. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire que 90 degrés représentent 8000 roupies. N'est-ce pas? Un degré, qui est-ce que vous venez? Tu peux venir 8000, l'eau 90. Mais qui peut demander nous? Il peut demander nous total amount. C'est-à-dire, en tout, combien l'argent? Mais en tout, combien de degrés nous avons? En tout, nous avons, pardon, 360 degrés. C'est-à-dire, nous avons arrêté pour 360 degrés. Qu'est-ce que nous avons fait? 8000, l'eau 90, multiplié par 360. Qui nous a fait à diviser, simplifier, multiplier. N'est-ce pas? 0, 0, coupé. 36 et 9, capable de diviser. Si vous tape 9, vous divisez directement. Si vous ne tape 9, qui tape pour connaître? Tape 3. Mais déjà 9 divisé par 3, 3. 36 divisé par 3. 3 divisé par 3, 1. 6 divisé par 3, 2. Qui est venu là? 12 divisé par 3. 2 divisé par 3. 3 divisé par 3, 1. 12 divisé par 3, 4. Qui est venu, mes enfants? Il est venu, comment dire? 8000 fois 4. 0 là pour S, pareil. Combien 0? 3, 0. 1, 2, 3. Après, qu'est-ce qu'il y a? 8 fois 4, c'est combien? C'est 32. C'est-à-dire, en tout, combien l'argent il finit dépenser, ça, M. Ben là? Il finit dépense 32 000 roupies. Combien l'argent il finit dépenser? 32 000 roupies. Ok? Bien bon. B. Il peut dire nous que Ben spent twice as much on transport as on clothing. Calculate angle X. Ben dépense deux fois plus le transport qu'il a l'habillement. Transport, c'est 36 degrés. Il peut dire nous route long X, c'est-à-dire pour clothing. Transport, il est deux fois clothing. En deux mots, clothing, il est la moitié de transport. Ça veut dire pour nous qu'un X là, qui nous a pour faire? Simplement, nous avons pour prendre long transport, nous divisons par 2. 36 divisé par 2. 3 pas capable de diviser par 2. Avant 3, on a 2. 2 divisé par 2, c'est 1. Qui peut arriver? Il y a un remainder resté. 3 retiré 2, c'est N. Là, il y a comment dire? 16 peut diviser par 2. 16 divisé par 2, c'est combien? C'est 8. Réponse qui peut venir, mes enfants? 18 degrés. Ok? Ah, même là, je fais pégayer comprendre là. Les fines dépenses, des fois, le transport kilo, clothing. C'est-à-dire, l'angle qu'il y a pour clothing, pour nous connaître l'angle transport, nous avons fois 2. L'angle clothing nous fait gagner 18. 18 fois 2, c'est 36. Ok? Et puis, c'est how much money did Ben spend on rent? Combien l'argent qui Ben fin dépenser l'eau? Rent. Rent, combien degrés? C'est 144 degrés. Nous qui nous connaissons, tu te rappelles là? 90 degrés, 8000 roupies. 1 degré, 8000 l'eau, 90. En tout, 360 degrés, nous faisons 32 000 roupies. Mais nous, nous pouvons compter pour rent. Rent, combien de degrés? 144 degrés. Ok? 144 degrés. Qui est pour venir? Il est pour venir 8000 l'eau, 90, multiplié par 144. Qui nous capable de faire? 0, 0, coupé. C'est à nous diviser. 144 avec 9. Pour qui nous capable de diviser tous les deux? Nous divisons par 3. Ok? 9 divisé par 3. 3. N, pas pour capable de diviser par 3. 9 est 14. 14 divisé par 3. Pas capable. Avant, il y en a 12. 12 divisé par 3, c'est combien?
c'est 4. Et puis, qui peut arriver? Il y a une remainder. Remainder de combien? 14 retiré 2, c'est 2. Et bien, comme on dit, 24 divisé par 3. 24 divisé par 3, c'est combien? C'est 8. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on se tape, les enfants. 3, 48. Capable de diviser? Oui. Par qui ça fait? Par 3. 3 divisé par 3, c'est 1. 48 divisé par 3. 4, pas capable de diviser par 3. Avant, il y en a 3. 3 divisé par 3, c'est 1. Qui peut arriver? Remainder. 4 retiré 3, c'est N. C'est-à-dire, là, Lévin, comment dire? 18 peut diviser par 3. 18 divisé par 3, c'est combien? C'est 16. Là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Tu nous a fait 800 fois 16. OK? 800 fois 16. Comment nous pourrions écrire les? Les préférables d'écrire 16 fois 800. N'est-ce pas? 0, 0. Donc, 0, 0. 6 fois 8, c'est combien? C'est 48. On écrit 8 là. Et puis, qui peut arriver? Un 4 pour monde en E. 1 fois 8, 8. 8 plus 4, c'est combien? C'est 12. C'est-à-dire, qui réponse nous vous gagnez? Nous gagnez une réponse de 12 800. OK? C'est-à-dire, combien l'argent qui peine fin dépenser l'Oren? C'est 12 800. Je fais une récap, un code. Comment nous faisons ça? Nous commençons. Wikipédia nous, ben fin dépense 8 000 roupies, le foot. En tout cas, l'argent fin dépensé. Foot, c'est 90 degrés. Dans la même qu'une ninja, 90 degrés représente 8 000 roupies. Route pour 1 degré, 8 000 le 90. Mais 360 degrés qui est venu. 8 000 le 90 fois 360, nous gagnons réponse 32 000. Deuxième partie, Wikipédia nous qui ben fin dépense deux fois plus le transport qui le clothing. Le transport sur l'angle, c'était combien? 36 degrés. Mais closing ce langue qui peut venir. Simplement, 36 divisé par 2, qui donne nous 18 degrés. Et puis, combien l'argent ben fin dépensé le sur rank? Nous venons get un code. Rank, c'est 144 degrés. Nous déjà connaissons que 1 degré, c'est 8 090. Mais 144 degrés, qui est pour venir? 8 090 fois 144. Quelle réponse nous venons gagner? Nous venons gagner réponse de 12 800.